Le capitaine Marcel Guilavogui, membre influent de la garde présidentielle et adjoint dans les faits du commandant Aboubacar Diakité Toumba, qui a beaucoup contribué à l'avènement de M. Moussa Dadis Camara comme chef de l'État, était au stade le 28 septembre 2009. C'est d'ailleurs en sa présence que des crimes graves ont été commis au stade par des éléments de la garde présidentielle, unité à laquelle il appartenait. Le capitaine Marcel Guilavogui a été vigoureusement dénoncé et formellement identifié par le commandant Aboubacar Diakité Toumba, Sidia Touré, Lounseni Fall, Feu Jean-Marie Doré et autres comme l'un des acteurs principaux du massacre. Dans son procès verbal d'audition en date du 4 avril 2011, Feu Jean-Marie Doré l'a désigné comme étant l'auteur de l'agression dont elle a été victime. Ses propos ont été confortés par les déclarations à l'audience publique de Lounseni Fall et Aboubacar Diakité Toumba. Il ressort unanimement des déclarations des partis que le contingent de béret rouge auquel il appartenait a fait l'assaut dans le stade en tirant sur des manifestants dans le tas, causant ainsi des morts, des blessés, mais aussi commis des viols et violences sexuelles sur plusieurs femmes. Ces agissements se sont poursuivis à la clinique Ambroise Paré de la Camaïne lorsqu'il a menacé de faire sauter celle-ci à l'aide de grenades quand les médecins s'occupaient des leaders politiques blessés, notamment Amadou Riba, Sidia Touré, Lounseni Fall, Mamadou Sello d'Alain Diallo. Ces faits accablants, commis sur une population civile par des hommes armés de manière généralisée et systématique, constituent des crimes contre l'humanité à son encontre. En conséquence, il convient de déclarer Marcel Guilavogui coupable de crimes contre l'humanité pour meurtre, viol, torture, enlèvement et séquestration. Sur la responsabilité du colonel Blaise Goumou, vu l'article 25 du statut suscité, le colonel Blaise Goumou, en service au secrétariat d'État à la présidence de la République, en charge des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, à l'époque des faits, à la tête d'une équipe, s'est rendu au stade le 28 septembre 2009, où il a rejoint Moussa Kiebouro Camara, son chef de service. Il a pris part, au même titre que ses collègues des services spéciaux, aux exactions commises ce jour au stade. Celles-ci ont consisté en des meurtres commis sur des personnes à la Bellevue, à l'Esplanade et à l'intérieur du stade, des faits de viol, d'enlèvement, de séquestration et de torture. Des pièces de la procédure, notamment une photo de Mme Fatoumata Bari, à moitié nue, tenue entre deux de leurs agents, témoignent éloquemment de sa participation aux faits réprimés aux côtés d'autres éléments de son unité. Dans la même logique, au cours de son audition, M. Abdoulhamid Diallo a décrit les conditions dans lesquelles 56 personnes et lui ont été enlevés au stade, conduits dans les locaux des services spéciaux où ils ont été séquestrés et torturés. Aussi, il est constant que colonel Blaise Goumou a été instructeur au camp de Kaléa en 2008 et a continué à fréquenter ces lieux malgré sa mutation au secrétariat d'État à la présidence de la République, chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Sa présence régulière au dit camp établit sa participation à l'encadrement, la sélection, la conduite des recrues qui ont participé au massacre du stade, comme l'a soutenu Mamadi Soumaoro dans sa déposition de témoin à l'audience publique. À la lumière de tous ces éléments, il y a lieu de déclarer Blaise Goumou coupable de crimes contre l'humanité pour meurtre, viol, enlèvement, séquestration et torture. Sur la responsabilité du sergent Paul Mansa Guilavogui, vu l'article 25 du statut de Rome, Paul Mansa Guilavogui, militaire en service au camp de Cancan à l'époque des faits, a officieusement rejoint celui dénommé Kundara, une unité de la garde présidentielle ayant pour commandant le surnommé Beugré, son ami. Le 28 septembre 2009 et les jours suivants,
des manifestants et autres citoyens enlevés au stade et à divers endroits de Conakry ont été conduits au camp Koundara où ils ont subi des tortures par les agents qui s'y trouvaient sur instruction de leur chef Beugré. Ces tortures consistaient à l'exposition des victimes au soleil, avec pour obligation de le fixer sous peine de flagellation, en leur superposition les unes sur les autres pendant des heures, en des privations de nourriture et en des flagellations quotidiennes à l'aube et au coucher. Le sergent Paul Mansa Gilavogui reconnaît que ces actes de torture ont effectivement été commis au camp Koundara sur instruction de Beugré et précise n'avoir pas participé à ces actes. Malgré cette dénégation, il a été formellement reconnu par des victimes, notamment Abdoulaye Gallo, Mamadou Lamine Sall et Mamadou Samba Barry, comme faisant partie des tortionnaires. Au demeurant, ces tortures étant commises de façon généralisée ou méthodiquement préparées et exécutées sur une population civile par des militaires du camp Koundara où ils se trouvaient, engage ainsi la responsabilité de tous les agents s'y trouvant, car ce type de responsabilité peut être établi à titre individuel ou collectif. Il y a lieu dès lors de déclarer Paul Mansa Gilavogui coupable de crimes contre l'humanité pour torture. Sur la responsabilité de l'adjudant-chef Mamadou Aliou Keita, vu l'article 25 du statut de Rome. Dans le présent cas, Mamadou Aliou Keita, gendarme en service à l'escadron mobile numéro 1 de Kaloum, reconnaît s'être rendu avec des agents de son unité au stade le 28 septembre 2009 dans le cadre du maintien d'ordre. Il est accusé par Mme Assiatou Ba de l'avoir violé ce jour au stade avec d'autres agents. Il nie les faits de viol, bien qu'il déclare connaître la victime qui est parente à son ex-copine. Plusieurs viols ont été commis à ciel ouvert en pleine journée au stade le 28 septembre 2009 par des forces de défense et de sécurité. Ces actes ont été commis de façon généralisée et systématique par les uns avec le concours de certains dans l'indifférence absolue des autres. Les conditions de commission de ces actes, de ces viols en font clairement des crimes contre l'humanité entachant la responsabilité pénale de Mamadou Aliou Keita qui était présent au stade en qualité d'agent de maintien d'ordre. Si certaines victimes n'ont pu reconnaître leur violeur, cependant Mamadou Aliou Keita a été formellement identifié par sa victime. Convient dès lors de déclarer Mamadou Aliou Keita coupable de crimes contre l'humanité pour viol. Sur la responsabilité du colonel Claude Pivi, vu l'article 25 du statut de Rome, colonel Claude Pivi, ministre chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits, était avec ses agents aux alentours du stade et au domicile de Mamadou Sello d'Alain Gallo, où il a pillé et soustrait des biens de ce dernier le 28 septembre 2009. Il a été aperçu par plusieurs personnes, notamment par Aboubakar Diakité Ditoumba, à la Bellevue en compagnie de ses agents, par Mamadi Kondé, pendant qu'il s'occupait à l'embarquement de certains blessés, dont lui-même dans un véhicule de secours de la Croix-Rouge, par Guénabouba à l'intérieur du stade, par Abdourahmane Ba à l'intérieur de la cour de Mamadou Sello d'Alain Diallo, par Kernoy Bremayoula, poignardé plusieurs fois sur le corps par ses agents à Koloma, par Mamadou Alimouba à Koza, où ses agents ont tué par arme à feu un apprenti coiffeur prénommé Boubacar. Il avait à son compte de nouvelles recrues au nombre de 400, dont certains étaient présents au stade pour participer à la répression des manifestants. Il a constamment rendu compte de ses agissements de la journée au président Moussa Dadis Camara et a continué avec ses agents à enlever des citoyens le long de l'autoroute Le Prince, à les séquestrer dans ses locaux sis au camp Alpha Gallo, siège de la présidence de la République, à piller les magasins le long de cette autoroute pendant les jours qui ont suivi les événements. Ces meurtres, pillages, enlèvements, séquestrations commis sur une population civile
constituent des crimes contre l'humanité à son encontre. Il y a lieu dès lors de déclarer Claude Pivi coupable de crimes contre l'humanité pour meurtre, enlèvement, séquestration et pillage.